bons parents-enfants. On a l'impression aujourd'hui que les parents s'approprient les enfants et souhaiteraient à travers eux vivre un prolongement. C'est peut-être une impression personnelle, mais c'est peut-être un peu aussi ce que recherche un parent pour pouvoir continuer l'existence à travers son enfant pour aller un peu plus loin ou éventuellement faire quelque chose que le parent n'a pas eu la possibilité de faire, par exemple un hobby ou un métier ou une condition sociale moins dure, par exemple. Bon, c'est une approche personnelle que je revendique, mais c'est vrai que beaucoup de parents que je côtoie voudraient s'approprier l'enfant, que l'enfant reste enfant toute sa vie et reste sous sa dépendance, alors que peut-être se détacher serait éventuellement la mission pédagogique d'un parent, qu'un parent devra apprendre à son enfant, qu'un enfant devienne autonome et n'ait plus besoin de son parent ou de ses parents. Par exemple, avoir un enfant qui demande toujours quelque chose, en faire un enfant qui ne demande plus rien. Finalement, est-ce que cela serait-il bien? C'est une question que je sais, à laquelle je ne sais pas répondre et que je pose. Mais c'est vrai que un enfant qui grandit a aussi de la reconnaissance, où on souhaiterait dans le meilleur idéal qu'il ait de la reconnaissance envers les personnes qui l'ont aidé à grandir, notamment ses parents. Comment se fait-il dans notre société occidentale qu'à 18 ans, il y ait tant de tensions, par exemple, dans une famille, que les enfants soient obligés de partir de la maison? Soit on les met à la rue, soit eux ils se cassent de chez eux parce qu'ils ne supportent plus leurs parents, hélas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Personne ne s'apprivoise. C'est un peu aujourd'hui ce qui se passe dans notre relation avec autrui, entre guillemets. On attendrait plutôt qu'on s'apprivoise mutuellement, qu'on s'enrichisse par l'esprit mutuellement. C'est une attente. Peut-être un jour, cela se passera dans le meilleur des cas dans cette optique. Nous avons affaire notamment dans notre système éducatif, à l'école, à des cours magistraux. Comment voulez-vous qu'on inculque à des enfants des choses par le matraquage de la pensée, plutôt que d'en faire des personnes responsables, des personnes heureuses? Rabelais, faire une tête bien pleine plutôt qu'une tête bien faite est une gageure. Bien sûr, je paraphrase un peu Rabelais, donc lui souhaitait plutôt que la tête soit bien faite, c'est-à-dire qu'on apprend à apprendre et qu'on donne envie d'apprendre, qu'on donne le goût du jeu, le goût de la vie, le goût du bonheur, plutôt qu'un matraquage, donc comme se passe aujourd'hui dans notre éducation donc éducative, où on fait apprendre des valeurs par la force, entre guillemets, ou par le plus grand nombre, et bien entendu, on délaisse des ressources extraordinaires qu'on passe à côté d'elles, hélas, qui sont des potentiels humains créatifs, des potentiels même ingénieux, et on passe à côté de ceci, hélas, pour la rentabilité, toujours le système darwinien de la concurrence, hélas, trois fois hélas. Le 1er mai 2006 à Salon de Provence,
à la campagne. Voilà, aujourd'hui, la patrouille de France s'est tue. C'est une bonne chose. C'est la fête du travail, donc on chôme. Comme un dimanche, pourquoi pas peut-être, on regarde en arrière un petit peu et on regarde ce qu'on a fait dans la semaine. Mais pour regarder ce qu'on a fait en arrière, il faut savoir s'arrêter. Voilà, donc un compromis entre la psychologie, le social, l'historique et l'économique pour l'ici, s'adapter dans le présent, est une façon de voir aussi le monde, une façon peut-être cataloguée comme philosophique, certes, mais une façon de voir le monde serein, plutôt heureux, plutôt en bien-être. Voilà, je vous remercie de l'écoute, et puis pourquoi pas avoir un peu votre sentiment ou vos avis sur les thèmes abordés lors de ce film. Pourquoi pas vous rencontrer un jour.